Il tente de fuir l'Ukraine livrée au bombardement russe, mais pour ces étudiants africains, la terre promise est loin d'être gagnée. Ils sont bloqués à la frontière, puisqu'empêchés de monter à bord des trains quittant l'Ukraine. Priorité aux Ukrainiens et autres Européens. Du racisme en temps de guerre à l'origine du hashtag Africans in Ukraine. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas, et surtout vous les Noirs. On a laissé entrer les Ukrainiens. Les étrangers ont été placés à l'écart, quelle que soit leur race. Lundi, l'Union africaine est sortie de sa réserve. Son président en exercice, le Sénégalais Macky Sall, a rappelé, je cite, « Toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant les conflits, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale ».